vais donner ma définition de bref. Je dirais que d'une série. C'est comme si un pote nous racontait sa vie, son histoire. Et généralement, c'est dans les situations embarrassantes. En parlant très très vite. Une chronique de trentenaires parisiens. Et en même temps, je pense que tout le monde peut se retrouver. Ça touche un public assez large. Ça peut être vous comme moi. Ça peut être mon parrain, mon tonton. On est tous pareils. C'est assez représentatif de l'époque. Ça correspond à une génération. Il vit nos galères, il vit nos joies, nos peines. On se reconnaît tous dans un épisode de Bref. C'est tellement vrai. Très urbain. C'est tellement plein de vérité. C'est une fugace satire sociale. C'est frais, c'est moderne, c'est surprenant. C'est très immersif, original, également très attachant. Il y a de l'amitié, il y a de la tendresse. Ça combine bien tout ce qu'il faut pour faire une bonne série. Chaque fois que je regarde Bref, je suis complètement scotché. Bref. 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 Je peux avoir un mot du réalisateur? Il est pas là, il faut aller voir, il s'appelle Kian Kojandi. D'accord, et toi donc tu es le sous-fifre, hein? Non, moi je suis un pote à lui, il fait croire qu'on a écrit ensemble tout ça, mais c'est pour parce que okay. J'ai besoin de sous en ce moment. Très c'est parce que c'est un mec comme ça, Kian, c'est un mec bien. Tu veux faire un travelling arrière à l'entourage? Comme ça je marche, j'ai l'air détendu et les gens ils croient que je suis un bon acteur. Bonjour, je suis Kian Kojandi, je suis en plein de tournage de Bref, la saison qui va arriver sur France 2 ou France 4, ça dépend, on sait pas. Peut-être Canal Plus, mais ça c'est pas sûr. Ça, c'est mon avo. Il est co-réalisateur de la série. L'autre réalisateur, c'est un connard. Il y a aussi des plaques avec des bonhommes qui font comme ça. Parce que vous le valez bien. Ça va passer à la télé, ça. Ça te va? Cool, c'est moi, je vous remercie. Merci. Bon, faut pas que ça nous empêche de mettre en place, de voir le mouvement. Donc 12 secondes. 12 secondes, je pense que ça va le faire à ce rythme-là. On attente. Allons-y. On va sur le silence, on va tourner. Je suis prêt d'abord. Action. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais, j'étais sur mon ordi, c'est mon clic-clac. Je lui dis, bah écoute, je voudrais raconter des histoires hyper rapidement, des tranches de vue très rapidement, et je vois sa pupille se dilater comme ça. Et il me fait, ça, il faut le faire. Et on le fait, on l'écrit direct en après-midi, on l'écrit le premier épisode qui est Bref, j'ai dragué cette fille. Bref, j'avais repéré cette fille à la soirée de Maud. Alors j'ai demandé à Maud si elle avait un copain. Elle m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Kevin, il m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Baptiste, il m'a dit j'entends pas. J'ai demandé à Christine, elle m'a dit j'ai pris ça pour un nom. Et l'idée principale autour de ce pilote là, c'était surtout d'être libre, de faire le programme qu'ils avaient envie de voir, sans aucune contrainte télévisuelle. C'était vraiment capital. Elle avait un popcorn sucré sur l'épaule. J'ai fait comme si je l'avais pas vu, mais je me suis demandé comment il était arrivé là. Je lui ai demandé... Et tu fais quoi dans la vie? Je suis caissière. C'était pas intéressant. Dans un sex shop. C'était intéressant. Du coup, j'ai plein d'échantillons. C'était très intéressant. C'est vachement bien, ça. Le concept de Bref, c'est des chroniques d'un homme ordinaire. Trentenaire. Qui a une vie pas toujours évidente. Hein. Il vit des situations du quotidien qu'on peut vivre un peu... Nous, n'importe quand, n'importe comment. C'est le voisin, le pote, nous-mêmes. Dans la vie aujourd'hui, complètement perdu. Et il lui arrive ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire un entretien d'embauche, draguer une fille, avoir un plan cul. Il prend de la drogue et il se masturbe, j'ai vu aussi. Il se masturbe beaucoup. On en rigole, mais en fait, c'est pas si drôle que ça. C'est pas X-Men. C'est pas un mec qui est un tombeur, qui est un séducteur, qui se tape toutes les meufs qu'il peut. C'est des situations de la vie quotidienne montées à l'américaine, on va dire. Mais de manière folle. Quand il dit à l'américaine, les gens aiment bien. Tu peux tout dire avec à l'américaine. En fait, ce qui est marrant avec l'histoire de Bref, c'est qu'à aucun moment on s'est dit on va réussir, on va faire un truc avec ça. On s'est dit bien, on le fait parce qu'on a envie de le faire et que c'est marrant de le faire. Oh, ils sont beaux. Je sont bon, ça, vous voulez, ils sont pas là. Ça s'est fait hyper naturellement.
sans calcul, on a juste fait les choses. Je sais pas, moi, on me dit de venir, on me dit de là, je viens. On a écrit des blagues, on s'est amusé à les faire, à les tourner, à rencontrer les acteurs, à les faire avec, à les monter derrière, et on s'amuse encore à les faire, voilà. Waouh. Wow. C'est exactement ce que dirait un mec qui a tout calculé, en tout cas. On se voit à Cannes. Le carton de la rentrée, on en est fiers, c'est Bref, toute l'équipe est avec nous. Et bien sûr, le trentenaire qui connaît toutes les galères et les petites joies du quotidien, Kyan Cogendy. Wow, le grand journal, c'est la consécration quand même d'une c'est vraiment le plateau quand t'as une promo pour y aller, tu vois. On n'a jamais vu un programme court être repéré aussi vite. Le buzz est parti en deux secondes. Le succès de cette rentrée, bref. Ce soir, vous allez arriver à 1 million d'amis sur Facebook. On a de la chance d'être approché par beaucoup de producteurs de longs métrages. Restez dans le cours, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est L'idée de mettre Bref en couve, elle est assez simple. On a vu à quelle vitesse l'engouement s'était propagé. Le buzz sur internet, sur Twitter, sur Facebook, tout le monde en parle. Vous voyez sur Facebook tomber dans tous les sens des commentaires sur Bref. On aime tous Bref parce que c'est original. Merci. À partir de ce moment-là, moi ça a fait un truc dans ma tête, j'ai dit c'était une blague. Quand dans 10 ans on voudra savoir comment étaient les gens dans les années 2010, on prendra Bref en exemple. Alors, merci beaucoup, Kyan. Merci à Bruno, Harry, à toute l'équipe. Au début, c'était juste des blagues sur un... Après, c'est devenu séquence 4, une prise 8, pick-up, setup, PAT, 9h, topper armoisi, tu vois. J'aimerais en savoir plus sur la phase d'écriture. J'aimerais beaucoup voir, par exemple, un brainstorming, voir un petit peu comment les idées jaillissent. On écrit des petits mots, des petites idées, genre hey, « tiens, j'ai une idée, il serait au travail. » Ok, puis après on doit partir pendant, je sais pas, on doit facile bosser sur un épisode, on doit bosser facile 6 heures. Hein. Ouais, je pense. C'était, ça me fait penser, en fait, c'était les histoires incroyables de Charles. Ouais. En fait, c'est Charles, c'est un pote à histoire incroyable. On ouvre un maximum de pistes. Ce qu'on dit en fait, on dit qu'on met les jouets dans les chambres. Ouais. On a 40 chambres, on met juste les jouets. Hop, ah, c'est cette chambre, ce sera la chambre avec les jouets de je me suis bourré la gueule. Et dès qu'on a une idée, ah, quand il se bourre la gueule, hop, on le met. Kéron, t'es dans le dîner là où tout le monde se voit les textos. J'ai envie de dire un truc, genre j'ai vu Kéron envoyer un texto, tu vois, Salas. Et après dire en fait, il l'avait envoyé avec mon portable. Mmh. Puis après, il y a une deuxième phase. C'est le deuxième tour faut ranger les chambres. Voilà, faut ranger la chambre, faut la structurer, faut... Voilà. Et là, c'est le moment où on structure, on rédige, on essaye de voir... ouais, ok, ils sont cool tes jouets, mais on fait quoi comme histoire avec? Ce serait pas bien de faire un épisode comme une soirée, tu vois? Je suis allé à la soirée comme je suis allé au sex shop, en fait, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Et que dans ce sex shop, il se passe plein de trucs, comme là tu viens de dire, tu vois? Et en fait, on essaye, quand on écrit, Alors, à la fois, on sait que ça va être nous les réals, ouais. parce qu'on n'est pas schizophrène, on n'a pas de... double personnalité, mais on essaie de faire comme si c'était pas vraiment nous et qu'ils allaient se démerder en fait. Donc on se dit non, c'est pas grave, s'il y a un requin, il y a un requin, les réals verront. En fait. C'est-à-dire que là, actuellement, là on est en écriture des prochains épisodes. Harry, il a comme une boule au ventre. Je vais pour l'embrasser, Manuela devient Kéron. Pas forcément des contre-champs, on est sur du morphing. Oui, on peut faire du morphing. Le morphing, bon, ça sera un morphing, on sera deux personnes dans le même axe. Et puis on les mettra au même endroit, et moi je ferai un morceau de nom. Avec la caméra, vous l'entrez deux. Elle blingue la caméra. Au moment de la réception des textes, quand je lis et je découvre les textes, je suis le premier lecteur réel des textes. Donc en général, je ris d'abord très fort, et après je pleure très fort aussi. Parce que je vois la diversité des décors, des comédiens. Je me dis, waouh, c'est pas possible. C'est infaisable. Franchement, c'est infaisable. C'est infaisable de faire ça. Je me suis demandé pourquoi j'achetais tous ces trucs. J'ai pensé à mon psy qui m'a dit, vous cherchez à combler la vie d'affectif. J'ai pensé à ma vie affective. Yeah. Et j'ai racheté d'autres trucs. En y réfléchissant, j'ai compris pourquoi j'ai acheté de l'énergie 3000. L'énergie 3000, la boisson des vrais bonhommes. Bon, après rentre toute la phase d'acceptation des scénarios, de réaffinement et d'acceptation des scénarios. Énergie 3000, la boisson des vrais bonhommes. Il y a un second moment
qui est... Enfin, moi, ça a été fort, c'était à la fin du tournage, au dernier plan, et qu'on a réussi à tout rentrer. Et donc, en fait, de ce que je pensais être une folie de départ, c'est devenu concret. Donc, là, j'ai souri, vraiment, et en même temps, j'ai pleuré. Forcément. Mais c'était inenvisageable. J'ai pleuré aussi parce qu'il y avait toute cette équipe et tous ces gens autour de nous qui nous ont accompagnés dans ce délire. J'aimerais bien aussi savoir comment les personnages ont été choisis. Par exemple, Kyron, son tempérament, le plan cul, son tempérament, pourquoi cet acteur, le père, pareil, la mère quand ils se mettent dessus, là, mais c'est génial quoi. Dis-leur. Quoi ? On divorce. Quand ça s'est concrétisé, en fait, ça s'est fait très vite. On a écrit les 40 textes en 15 jours. Et après, les castings, les rencontres avec les acteurs, en fait, on a écrit pour nos potes, parce que c'est les gens qui étaient dans notre entourage à ce moment-là. Le père, c'est sacré loser, c'est un peu le loser sympathique de la série, mais qui va dormir chez son fils à la fin parce qu'il a quitté sa femme, et avec sa nana de 25 ans. Ouais, non, c'est très, très fort. C'est extrêmement fort. Il a quoi, 60, 70 ans? Mais il met des petites jeans slim, il met des dernières ceintures, il met des cols en V et tout ça. Il essaie de parler un peu comme un jeune, tu vois. Moi, à chaque fois que je le vois, je vois pas autre chose qu'un flic en civil, en fait. Tu vois, il met une casquette Chicago Bulls. Salut, vous voulez du Toshi? Tu vois, il aime bien faire des trucs comme ça. Bref, quand mon ex est partie, elle m'a dit... Tu finiras seul comme ton père. J'ai pensé à mon père. Si jamais tu fais une soirée console avec tes potes, tu me l'as dit, comme ça je passe. Quand Kian m'a proposé le rôle du père, en fait, bon, mais il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de passer des essais. Il était un peu emmerdé. Je lui ai dit, mais non, pas du tout. Moi, ça ne me dérange pas de passer des essais. Au contraire. C'est que maman m'a parlé de toi. Ah, je m'en fous, moi, de ce qu'elle peut raconter. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, d'accord. C'est très bien. On le refait. Vas-y. Tu m'envoies? Bah, tu sais que maman m'a parlé de toi. Oui, non, mais toi, je m'en fous de ce qu'elle peut raconter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, je suis allé passer des essais pour faire le rôle du père, donc. Et puis, il m'a rappelé le soir en me disant, bah, écoute, Eric, c'est super, voilà, c'est bon. On a vu avec Navo, avec Harry. Et donc, bah, c'est toi qui feras mon père. Pas dans ta face. Le père, c'est le père du loser. Donc, quelque part, il a un côté de loose, le père. Il quitte sa femme pour se faire une minette. Et puis, en fait, la minette, elle la retrouve avec un super black. Comme ça, il a l'air d'un con. Bon, j'y vais. Elle me comprend. Il l'avait mal compris. Depuis, mon père dort chez moi. Oh putain, la vie, c'est de la merde. Derrière, il y a beaucoup de tendresse, même dans les rapports aussi avec son frère. Donc, il y a... C'est un peu le père la loose. Bref, la loose. J'ai enfanté des losers. Voilà, c'est moi. C'est extraordinaire que ce soit lui. Eric, je te kiffe. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors la mauvaise, c'est que je pars de chez toi. C'était la bonne nouvelle. Oh non. Et la bonne, c'est que j'ai pris l'appart qui s'est libéré juste en face. C'était la mauvaise nouvelle. Ah, c'est bien ça. Kian, je l'avais déjà repéré en fait à la télévision. Je vois un type extraordinaire qui fait un sketch. Bien, je me présente, je m'appelle Kian Kojandi. Ouais, je suis d'origine iranienne. Il y a des Iraniens dans la salle? Il n'y en a jamais. Voilà. Et puis un jour, il est passé comme ça devant mon bureau. Et il m'a dit, bah, écoute, je m'appelle Kian, K-Y-K-N, comme il fait d'habitude, K-Y-K-N, comme ça. Et puis tu peux aller regarder sur Internet, tu tapes mon nom. Et puis voilà, alors j'ai tapé son nom et finalement je me suis dit, mais oui, mais c'est lui, je l'ai déjà vu ce type. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, je trouve que tu as énormément de talent. Donc bah, moi j'ai un théâtre, toi tu as du talent. Et ben, on va faire simple, pense à quelque chose et puis tu viens ici, il faut que tu sois sur scène. Vous savez pourquoi ça marche un film américain? Parce que dans tous leurs films américains, ils ont un hacker. C'est toujours le jeune hacker de 16 ans, il a des lunettes. Il a réussi à pénétrer dans les locaux de la CIA avec son ordinateur portable par les voies d'aération comme ça. Direct, il arrive dans le réseau de la CIA. On comprend bien qu'il transfère tous les fichiers parce que sur son écran, il y a marqué « transfert ». Et donc, petit à petit, il a monté comme ça le Bordel Club. Le Bordel Club, ça a été un peu le plateau underground de tous les humoristes, de tous des mecs qui font du stand-up à Paris, et ils venaient là pour tester des sketchs. Mais le hacker, il plante pas, il est là à 80%, 90%, il commence à transpirer, il est là, allez, dépêche, 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 le gardien se rapproche, 95, 96, 97, 98, 99, il a pas le temps, le gardien arrive, il ouvre la porte, et il y a plus personne. Le hacker est au plafond,
Ah, ça, c'est bon, ça. Hein? Mon personnage préféré, c'est le frère. C'est le frère parce qu'il est, beau et séduisant, d'une part, et aussi parce qu'il représente à 100% l'affect. Salut, je m'appelle Kevan, je suis chanteur et comédien et j'interprète le rôle de Kevan, le grand frère de Kian, dans la série à succès Bref. Bref, ça, c'est mon frère. Il a toujours été là pour moi. Ouais, ouais, j'ai eu mon permis. J'arrive. Ouais. Ouais, j'ai un bouton chelou sur la... J'arrive. Ouais, ouais, ça y est, je vais coucher avec elle, là. J'arrive. Bah non. T'as des capotes? Non. J'arrive. J'adore ces petits biscuits. Faut savoir que dans la vie, Kian est mon jeune frère et pour vous parler un peu du personnage, c'est un peu le grand frère qui est toujours là pour son petit frère. C'est un mec qui est blindé de certitudes, qui bouffe bio, qui adore faire du sport, qui a une vie assez saine, contrairement un petit peu à Kian qui lui représente le trentenaire un peu, qui a une vie un peu dissolue. Faut te reprendre en main. Je peux deviner ce que va dire mon frère à la tête qu'il fait juste avant. Ce resto est vraiment... dégueulasse. Dégueulasse. C'est un peu la personne qui va appeler quand quand tout va mal, quoi. Elle est venue, elle a vu les préservatifs, elle a dit... Eh bah ça va, tu perds pas de temps. J'ai paniqué, j'ai dit que c'était pour Kevan. Elle a dit... T'es plus avec ta copine. Il a dit... Si. Elle m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, elle l'a regardé, elle m'a regardé, il a dit... Elle a ses règles. C'était sale, mais bien joué. Dans l'épisode de l'entretien d'embauche, on dit... J'avais tout bien préparé, j'avais fait mon CV. Dans la case loisirs, j'avais mis que j'aimais bien le kayak. J'avais jamais fait de kayak, mais j'aimais bien les mots qui se lisent dans les deux sens. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle le payoff, c'est ce qui vient après le générique. Et nous, ça nous a pris environ une demi-seconde de taper kayak. Et on avait oublié que lui, qui sera tout à l'heure le mec bien sous rapport qui porte des porte-jartelles, était dans un kayak. Pour nous, on avait écrit le mec en porte-jartelles. Point. Et maintenant, le kayak existe. Il fait environ 3 mètres d'envergure, il est orange plus. Ça, il c'est est bien fond comme idée. Donc, tu vois un truc de 8 mètres de long arriver dans un appart qui est au 5ème étage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un ascenseur, mais parisien, donc c'est un petit ascenseur. Donc, il l'a monté à la main parce que. On a dit. On a tapé en Arial. Kayak. Par contre, c'est un Holton, ça c'est relou. C'est pas ce qu'on voulait. Et au montage, on met le payoff, on se dit, oh, on s'en fout du kayak. Ouais. On y repensera deux fois quand on écrira des trucs maintenant. Je suis Bérangère Krief. Je suis humoriste et comédienne et dans la série Bref, je joue Marla, qui est le plan cul régulier du personnage de Bref. Je crois que le plus simple, c'est de regarder un extrait. Marla, c'est mon plan cul régulier. Enfin, quand elle veut. Souvent, elle donne pas de nouvelles pendant 3 mois. Elle débarque à 3h du mat, on couche ensemble. Quand elle se réveille, elle est accrochée à moi. Elle répète souvent « Je t'aime pas, hein. » Ouais, c'est cool. Je crois qu'elle m'aime bien. Dans la série, on s'échange, c'est un échange de bons procédés, quoi, de fluides corporels. Enfin, je veux dire, je lui rends service, il me rend service. Je l'ai prise dans tout mon appartement. En y réfléchissant bien, c'est elle qui m'a pris dans tout mon appartement. C'est d'ailleurs en jouant mes sketchs sur les scènes ouvertes parisiennes que j'ai rencontré Kian et Navo et qui se sont dit, tiens, on va en faire notre plan cul. Alors, souvent, t'as le genre de mec qui t'aborde et qui te dit on fait un tour de bagnole. Alors, il croit que je vais répondre quoi, moi? 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 Non, mais attends, mais c'est mon rêve. Je vais remercier vraiment Kian et Navo d'avoir pensé à moi. Et parce que je pense qu'il faut être un peu visionnaire hein, pour se dire, tiens, elle est marrante. J'en ferai, on va la mettre à poil dans notre série, ça va être super. Attends, parce que du coup, moi, j'ai une position de fille passive. De fille qui fait, vas-y, finis, parce que là, j'en peux plus. Tu vois. Rue Alberto Cortés, c'est au Pérou. Kairon, humoriste. Kairon, c'est un peu le diable, quoi. C'est le pote qui ose tout. Il a pas de limite, le mec.
c'est ton ex, c'est ta copine, il va la draguer quand même. Il a pas beaucoup d'apparitions, mais à chaque fois qu'il apparaît, je trouve que c'est assez cool, sa tête, ses yeux. On a tous un pote un peu comme ça dans notre vie. Un peu branché cul. Je reconnais pas mal de mes amis dans Kairon. Kairon m'a écrit, hey, t'es ami avec cette fille? Je lui ai pas répondu. Il m'a envoyé un email qui me demandait, tu vas la baiser? Un tweet, tu vas la baiser? J'ai reçu un texto, tu vas la baiser? Je lui ai gentiment demandé de me laisser tranquille. Le buzz-là du personnage Kairon, on l'a tous pensé. On aimerait tous le dire, mais il y a des concepts comme la conscience ou le bon sens ou la loi parfois qui nous empêchent d'aller dans ce sens et de dire les choses. Lui, il le fait, il s'en tape. Voilà. J'ai reçu un texto avec écrit « Bezla » avec 8 A, très exactement. C'était Kairon sur le canapé qui nous matait depuis tout à l'heure. Un gars comme Kairon là, qui dit « Bezla, Bezla » ou quoi, genre tout le monde a un ami comme ça, ou si ça se trouve c'est toi l'ami qui dit tout le temps ça. Arrivé à la soirée, c'était mort, il y avait que des filles à 0 point. Et puis Kairon m'a subtilement signifié qu'une d'entre elles était plus ouverte que les autres. J'y suis allé. Soit tu le vois du côté obscur de la force, soit du côté de ma mère, voilà. Quand ma mère en parle, il y a les gens qui disent « Quand même, ton fils, c'est un peu vulgaire. » Non, il n'est pas vulgaire, c'est pas ça. Il est gentil, il aide les copains. La fille dont je suis amoureux m'a proposé un verre sur Facebook. Kairon m'a dit qu'elle voulait voir le dernier Woody Allen. Je l'ai appelé. Ça te dirait d'aller voir le dernier Woody Allen? Ah, tu voulais y aller? Cool, par contre, je te laisse, j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai raccroché, j'y suis allé. Merci Kairon. Kairon, t'es un dieu, je te vénère. T'es un malade mental, mon pote. Un dieu, il doit au minimum avoir des pouvoirs. J'ai adopté ta philosophie, la philosophie du Bezla, et je dois dire que ça marche plutôt bien. Si j'étais juste un Kairon de bref, juste un obsédé, je serais un connard fini dans la vie. C'est important de tourner vite après le rapport pour que ça ne vous rebondit pas trop vite. Mon avou. Donc si on est prêt, voilà, chaque étape. 1, 2, 3, d'accord. D'abord, vous arrivez droit. Ouais. Et après, vous tournez vos têtes. Exactement. Donc c'est très bien. Ok, donc c'est ça, c'est trop quoi. C'est l'info. Bonjour, moi c'est Alice David, j'ai 24 ans, je suis comédienne et je joue 7 filles dans Bref. Elle a un regard, ça devrait pas exister. C'est gentil. Comme dirait Marc Lavoine, elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tué la première et je peux le dire, je suis foutu. Bonjour, je m'appelle Enzo et j'ai 6 ans. Ok. Et mon acteur préféré, c'est la petite brune avec un bon petit cul. Si ta mère sait que tu dis ça, c'est possible que plus jamais tu dormes chez toi. Elle m'a jeté un regard, ça m'a troublé. Et puis Kairon m'a fait un signe discret pour m'encourager. Ça m'a encouragé. Cette fille, c'est le fantasme de jeu dans la série. Et beaucoup de gens m'ont demandé alors, il la pécho pas et tout. Et j'ai dit que je pouvais pas vous en parler. Et on sait pas grand chose sur ce personnage, mis à part qu'elle travaille dans un sex shop et qu'elle est pas trop accessible encore. À un moment donné, elle s'est mordiée la lèvre. J'ai eu envie de l'inviter à boire un verre, l'inviter au resto, l'inviter au cinéma, l'accompagner chez elle, coucher avec elle. Elle me demande si c'est sérieux entre nous, manger des glaces avec elle, s'allonger dans l'air, présenter ma famille, partir en vacances avec elle, emménager avec elle, la demander en mariage, acheter une maison avec elle, lui demander. Ça va? Qu'elle me réponde. Je suis enceinte. Elle me dit, c'est des jumeaux. On se demande comment on va les appeler. Elle m'a dit, mais d'accord. J'ai répondu Grégoire et Julie. Quoi ? Dans l'intimité, on est tous un peu des losers. Ce qu'on veut montrer aux autres, on montre ce qu'on veut. Et ce qu'on n'a pas envie de montrer, on se le garde dans la poche et voilà. Bref, ça illustre un petit peu ce que personne ne voit forcément, mais ce que tout le monde fait. Bref, pour moi, c'est une... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Kilo de lait par jour. Tu vois, ce que j'aime bien dans Bref, c'est le montage. C'est clair, moi, ça me fait penser à Fight Club. Vous avez rien compris, c'est du snatch. Hein? Guy Ritchie. Oh, d'accord. Moi, j'aimerais savoir déjà, d'une, combien il y a de personnes qui font le montage? On n'a pas un monteur, on a un montueur. Donc bref, le montage fait partie et de l'écriture et du comique, en fait. On s'est vite rendu compte que, bref, ça se montait comme un clip. Kian a vraiment cette musicalité, cette envie de musicalité de l'image. Par exemple, ça fait. T'as une vie qui fait. T'as une musique un peu électro qui fait. Quand il est en montage derrière moi,
Il ne regarde même pas, il regarde même pas l'écran. Tintin, je lui dis ça, elle m'a dit oui. Nana, je lui dis oui. Elle m'a dit là, je lui dis non. Il est là comme ça, la tête baissée, il écoute. Je suis tombé direct sur mon lit et j'ai dormi. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un ascenseur avec un mec en porte-jartel. J'ai essayé de le tuer 27 fois, il voulait pas mourir. Bruno est plus axé sur l'image, la narration. Quand j'ai relevé la tête, j'étais en haut du Mont Blanc. Et il y avait moi, à 15 ans, qui me disait que j'étais nul. Je me suis réveillé dans ma chambre, il y avait l'homme en porte-jartel qui dansait avec mon père. J'étais pas réveillé, je me suis pincé, ça m'a fait mal, j'ai crié, je suis tombé dans ma bouche. J'ai disparu ? Et ma voix est devenue celle de Bruce Willis. Alors j'ai dit, youpikaï, pauvre con. Et là, je me suis réveillé. Bref, j'ai fait un rêve. En fait, les influences que Kian et Bruno peuvent avoir viennent principalement du cinéma américain, d'un cinéma qui n'est pas un cinéma comique. Et donc, c'est ça qui est assez marrant, c'est d'injecter presque une rythmique de cinéma d'action ou de cinéma hollywoodien dans quelque chose de comique. On même reconnaît avoir été influencé par des films comme Fight Club de David Fincher, de Snatch comme Guy Ritchie ou Trainspotting. J'adore les répétitions. Façon de se faire, on suit vraiment ses pensées tout au fond. Et c'est des films qui ont vraiment impacté une génération, notamment par leur forme en fait, avec des images très clippées. Et c'est vrai que du coup, ben, pour une pastille d'une minute, c'est un cinéma qui est très adapté à ce genre d'ambiance. On voit pas le temps passer en fait. On comprend tout. On a quelque chose de très rythmé, de très télégénique et ça se regarde très bien sur Internet. Bref, c'est génial. C'est hallucinant quoi. Bon du coup, tout ça peut vous paraître un peu abstrait, alors je vais vous faire une petite démo. Pour l'instant, ça ressemble à rien, c'est vraiment très lent, ça n'a aucun sens du rythme, donc ça donne ça. En l'air d'un mec qui s'occupe pas de sa barbe. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4. Maintenant, je vais essayer de me rapprocher de bref et d'essayer d'en faire quelque chose. Alors déjà là, il faut resserrer la voix off pour que ça aille quand même assez vite. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3. Ce qu'il faudrait faire là, c'est rajouter une musique. J'ai un premier jet qu'on va regarder. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4. Je reviens à la tenue 1, je vérifie si j'ai pas de crotte de nez, je vérifie si ma baguette est pas ouverte. Je me mets du parfum, j'oublie, j'en remets, je réoublie, je sens trop le parfum, je reprends une douche et je remets du parfum. Ben voilà, c'était une petite démo du montage de Bref, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, ce que j'adore en plus, c'est ce qu'il y a derrière. Au moment où on a fait Bref et qu'on s'est dit, tiens, il y a des interfaces, il y a des trucs, on s'est dit, il faut qu'on planque des trucs. Bref, ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Combien de fois j'ai mis pause pour lire des conneries. D'ailleurs, on voit bien que les mecs qui font le montage le savent, parce qu'il y a toujours tout un tas de conneries. Au tournage, on a planqué des... Il y a des moments, si tu mets des pauses, tu vois des choses. Des trucs que le commun des mortels voit pas, parce que, voilà, il faut s'y attarder. Salut, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 32 ans, j'habite à Strasbourg, marié, deux enfants, et je suis fan de Bref depuis le début. Même s'il y en a un seul, et il est là, il est en France, et quelque part, il met une pause, et il regarde, faut qu'il voit un truc s'il met une pause. Ouais. Bref 3000, c'est un site, c'est un Tumblr, c'est un blog principalement de photos. C'est un mec qui a créé un site plus ou moins participatif, les gens qui remarquent des choses peuvent les proposer. Où en fait, des gens un petit peu acharnés comme moi passent leur temps à regarder épisode par épisode, scène par scène, en mettant des pauses partout pour essayer de regarder tous les petits détails qui sont placés dans Bref. Et la technicienne me fait « Pourquoi vous faites ça ?» Parce que c'est marrant. Parce qu'il faut le faire, c'est marrant. Moi, voilà, la guitare, s'il vous plaît. Guitare ! Bref, j'habite à New York et grâce à la technologie moderne, j'ai découvert Bref via Internet. J'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer sur le web. Moi, j'ai découvert Bref sur Facebook avec des potes. Je regardais Twitter, recherche Bref, je regardais ce que j'en disais. En presque en même pas une semaine, je crois, il y a eu 500 000 fans sur Facebook. Ça a fait un buzz tout de suite, il y a plein de gens qui en ont parlé, on était, tu sais, trending topic. Et la semaine d'après, il y avait 1 million. C'est partagé entre amis et ça donne le lien sur YouTube. Les gens commencent à relayer, et ça, c'est un truc de ouf. S'il y a une personne qui peut dire « je m'y attendais », c'est un malade mental. Quand tu vois 4 chiffres, t'hallucines. Quand t'en vois 5, c'est un truc de ouf. Quand t'en vois 6, et maintenant 7, tu fais... Waouh, bravo, c'est ça, c'est incroyable. Bref est fait pour Internet, et Internet fait du bien à Bref. Pierre Desproges disait « on nous copie pas, on nous rend hommage », et ça vous est déjà arrivé. On va voir qu'il y a des parodies de Bref. J'ai qu'il est un gars, deux gars. Regarde, répondre aux grands-parents. Salut mamie, ça va ? Bref, j'ai voulu parodier Bref.
J'ai commencé par me faire tous les épisodes en m'allumant une clope. J'ai fini les épisodes, j'avais pas fini ma clope. Je vous présente Jordi le Bolloc. Il me fallait une chambre, une voix off et des plans courts. Mais pas tout le temps. Non. Pas tout le temps. Ouais, Jordi, bah ouais. T'as 150 plans, il y a deux après-midi de tournage, des amis qui ont annulé des trucs. Certainement une rupture avec sa femme, enfin, il y a plein de choses, quoi. On a passé 4 heures chez Denis à faire du montage avec Martin. Enfin, Denis a passé 4 heures à faire du montage. Et 3 heures après, il a dit... C'est bon, j'ai fini. J'ai dit... Fais voir. Martin a dit... J'ai peur. J'ai dit... Moi aussi. Il a dit... Je pense que ce dialogue de fin est trop long. Et il y a eu... Ouais, Boeuf aussi. Boeuf, c'est marrant. C'est rigolo de faire une version entière du truc. Boeuf, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne, je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner, je tourne la tête, il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Je m'appelle Kevin Razi, j'ai 23 ans, humoriste. Les bureaux sont ouverts de 13h à 16h, monsieur. En dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Merci. J'ai rien contre vous, les Antillais. Moi aussi, je suis des îles, donc il n'y a pas de souci. Mais je trouvais ça drôle parce que je me suis fait un peu insulter par votre communauté, donc je voulais vous dire que je vous aimais bien quand même. Hein. Bref, je travaille à la poste. Wesh, merde. Bref. Bref, j'ai voulu parodier bref. Ce mec mal réveillé là, dans son lit, c'est moi dans la vie. Avant, ma vie, elle était normale, et puis il y a eu cette série sur Canal. Un matin, j'ai reçu une vidéo sur Facebook. C'est un épisode de Bref avec écrit « Matza mec, y'a ton sosie ». Je vais sur le site et là direct, j'hallucine, ce mec c'est vraiment mon sosie. Et puis on a commencé à me prendre pour lui, dans la rue, dans mon bar, un peu partout en fait. À chaque fois on me posait la question. Oh, c'est toi le mec de Bref ? Ah non, non, je ressemble beaucoup, mais c'est pas moi en fait. Mais très vite, ça a commencé à me saouler. J'étais devenu le Bref de comptoir. Et puis finalement, je me suis dit qu'il y avait un filon, alors j'ai voulu tout faire comme lui. Et en soirée, grâce à Bref, le regard des filles avait changé. J'avais même le respect des beaux gosses. Oh bravo, ouais, beau boulot. Désolé, c'est pas moi le père. J'ai pensé que ça pouvait m'aider à choper. Du coup, face à cette bombe, j'ai craqué. Attends, c'est toi le mec de Bref ? Ouais, c'est moi, Bref. À partir de ce moment-là, je suis devenu le cador de la soirée. J'en avais même la tête qui tournait. Jamais j'aurais pensé mettre des filles comme elle dans mon lit. Aujourd'hui, j'espère juste que le succès de Bref ne soit pas... Bref. C'est vrai que beaucoup de choses qui ont longtemps été considérées par les dépositaires de la culture comme une sous-culture, alors on peut penser à Internet, on peut penser aux jeux vidéo, on peut penser aussi à une certaine forme de cinéma ou même aux séries, bah, tout ça, Bref, le considère comme une culture. Et Bref, est vachement intéressant et ça rejoint le discours par exemple de gens comme de rappeurs comme Orelsan. Nouvelle technologie, bebop, tatou, tam tam, Kobe. C'est quelque chose qu'on m'a dit des fois, que les gens aimaient bien le fait que je sois dans l'époque et du coup, même des personnes plus âgées pouvaient faire une sorte de tourisme intellectuel et comprendre comment on marche. Ils disent qu'on est des fous parce qu'on écoute nos Walkman à fond. Passe-moi chromi. Ce que je partage avec eux, c'est cette notion de sous-culture, mais dans le sens anglo-saxon du terme, dans le sens... des cultures sous la culture, c'est-à-dire qu'il y a le cinéma et puis à côté il va y avoir la culture du cinéma de navet et genre il y a la musique et en dessous il y a le rap et en dessous il y a encore des sous-couches. Le mix justement entre le net, entre le parler de la rue, entre ce qu'on entend dans les séries américaines, tout ça fait que du coup Bref arrive avec une identité très, très, très personnelle. Pour moi pour l'instant tout ce qu'il y avait dans les médias c'était genre... les jeunes de plus belle la vie qui ressemblent à aucun jeune que j'ai jamais croisé de ma vie. Là où Bref, en gros, crée une véritable rupture, c'est qu'on s'éloigne vraiment du produit à la française. L'idée, c'est de parler, d'avoir le discours de gens de leur âge et de le pousser jusqu'au bout et d'arriver à quelque chose de très réel. Bref, j'avais rien à faire. Donc j'ai fait comme tous ceux qui n'ont rien à faire, je suis allé sur Internet. J'ai checké mes mails, rien. J'ai checké Facebook, rien. Je me suis branlé. J'ai rechecké mes mails, rien. J'ai bloqué la touche I de mon clavier. C'est presque une autre forme d'humour dans le sens où c'est pas des calembours, c'est pas du jeu de mots, c'est pas forcément fin, mais c'est,
c'est plus un humour qui correspond à notre génération parce que c'est monté rapide, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que nous, on est habitué à zapper cette putain de vidéo de YouTube, à zapper toutes les 30 secondes. C'est suffisamment fin et à la fois, c'est suffisamment vulgaire pour que ce soit exactement comme nous. Je me suis rebranlé. J'ai remarqué qu'il y avait des petits dessins dessinés sur le sopalin. Je me suis demandé si quelqu'un était payé pour les dessiner. Ça m'a déconcentré. J'ai jamais prétendu faire un truc générationnel, tu l'as jamais prétendu non plus. Les gens décident que c'est générationnel et bon après c'est le jeu. C'est la montée en puissance qui est impressionnante. Après je pense que maintenant ça va devenir un programme. Yeah.